Nous avons dans la zone sahélienne, dans la zone semi-aride, la plus grande population et puis le taux de croissance le plus élevé, 3%. Plus de 3% en Afrique. Donc nous avons une population très importante dans cette zone. Et qui dit nourrir l'Afrique, transformer l'agriculture en Afrique, pouvoir nourrir les gens pour qu'ils puissent avoir de quoi manger, il faut qu'on pense au plus grand. Donc pour nous, cette culture étant, disons ces deux cultures, le sorgho et le mil, étant des cultures très importantes dans cette zone, si nous arrivons à les faire produire à leur potentialité, nous allons pouvoir nourrir beaucoup de personnes et donc permettre de limiter bien sûr l'importation. Parce que dans cette zone-là, faute de pouvoir se nourrir avec ces cultures, c'est surtout le riz importé de Thaïlande ou bien de l'Asie qui est le plus utilisé. Donc si nous arrivons à augmenter la productivité de ces cultures, nous pensons que nous pouvons jouer un grand rôle. Mais en plus de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette zone, ce sont des zones où le pastoralisme est assez important. Et nous savons tous que nourrir les animaux, surtout en saison, en période sèche, est quelque chose de très, très, très important. Très important. Donc, si nous arrivons à augmenter la production de ces deux cultures, que ce soit sur le plan, ce qui peut être consommé par les hommes comme ce qui peut être consommé par les animaux, nous allons pouvoir régler beaucoup de problèmes. En ce sens que l'utilisation des résidus de culture, nous savons que c'est quelque chose de très très crucial dans cette zone, en ce sens que ça cause beaucoup de problèmes de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. L'agriculture africaine n'est pas performante parce qu'elle est gérée pour la plupart par des petits producteurs qui travaillent sur des petites superficies et surtout pour la plupart du temps ce sont des petites superficies qui sont exploitées plusieurs années de suite sans apport. Dans la zone sahélienne par exemple, ce qui se passe c'est que dès qu'on récolte, on enlève jusqu'aux racines des cultures. Donc, par exemple, le mil, on coupe jusqu'aux racines. Donc, en fait, on exporte tout du sol. Or, nous savons tous que le sol, il faut qu'il soit, disons que la nutrition, les qualités du sol soient maintenues pour qu'on puisse, bien sûr, continuer à produire sur ces sols. Donc, en fait, dans ces conditions, nous pensons que il est difficile, bien sûr, de faire une agriculture durable. Donc, il faut bien sûr qu'on arrive non seulement à créer les conditions pour que les producteurs puissent utiliser de quoi enrichir le sol, donc le faire comme ça, et surtout pour ce qui concerne bien sûr comment est-ce qu'on peut rendre la chose durable, il est nécessaire que ce soit fait comme Tate est en train de vouloir, disons, le porter à la connaissance de tout et plutôt de le promouvoir, bien sûr, que ce soit fait sous forme de chaînes de valeur. Évidemment, ça a été fait, bien sûr, des chaînes de valeur ont été faites, bien sûr, mais que la chose soit faite, bien sûr, juste de manière à ce que ça puisse aller à grande échelle. Je pense que c'est le moment maintenant, puisque peut-être créer les conditions pour que ça puisse être fait, afin que cette chaîne de valeur puisse aller au plus grand nombre.